Bonjour, moi c'est Mathieu, je suis hôte service client au magasin Leroy Merlin La Rochelle. Je suis welcomer, je vais aider mes collègues en caisse à faire un pré-enregistrement, je vais m'occuper des factures, je m'occupe aussi de la carte fidélité, je fais quelquefois des financements. Dans mon job, ce qui me plaît le plus, c'est qu'il est sur mesure. Donc je suis très service client, j'adore le contact avec les clients. Et ici, ça me permet vraiment de le faire librement. On me laisse carte blanche et c'est ce qui fait que je suis à 100% épanoui. Ma situation de handicap est arrivée assez tôt dans ma vie. Donc moi, j'avais l'âge de 1 an, j'ai contracté la poliomyélite. Cette maladie, j'en ai fait une force. Mais avant d'en faire une force, il a fallu la vaincre, accepter que je serais handicapé à vie. Je suis bénévole depuis 15 ans au comité handisport. La vie associative a fait qu'on m'a proposé le Duodé. Je me suis présenté un jour chez Leroy Merlin, La Rochelle. Je me rappelle d'une journée passée avec lui tout au démarrage, etc., où je me disais, moi, ben, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut que j'adapte? Il me dit, non, mais t'inquiète pas, je verrai au fur et à mesure, on en parlera, etc. Et c'est lui qui m'emmène à chaque fois sur des avancées. Leroy Merlin a la possibilité de mettre en place des aménagements pour accueillir des personnes en situation de handicap, notamment grâce à notre accord handicap. On est épaulé aussi par le siège, par la mission handicap au national. Ça peut être des aménagements de poste en termes d'horaires, en termes de matériel, enfin, voilà, il y a plusieurs choses possibles à faire. Pour mon poste, il y a eu une adaptation en effet. Ce bureau a été rétréci. Du coup, ce bureau peut aussi se régler en hauteur et surtout, ce qui est important, afin d'éviter tout problème d'épaule, le réglage de l'écran. Par rapport aux équipes, il s'entend bien avec toutes les équipes, mais déjà, son naturel est déjà très fort. Alors donc le fauteuil, on l'oublie en fait. On me demande juste d'aller un peu moins vite en fauteuil, c'est tout. Ce qui est atypique dans le recrutement, c'est que je n'ai jamais donné de CV. C'est vraiment la personne qui a fait la différence, hein, vraiment son ouverture qui a fait la différence. Je me vois où dans 3 ans? Chez Leroy Merlin, ça c'est sûr. Au service client, je pense, parce que c'est ce que j'adore. Et il y a tellement de choses et d'activités à faire dans ce service que je vois pas où j'irai ailleurs.